Ok, cette semaine, on est au grand point virgule et c'est... Polo. Polo qui nous filme. Du bruit pour Polo, s'il vous plaît. Non, cette semaine, on va parler du climat, hein. Bah ouais, ça nous concerne tous et j'ai l'impression qu'on réagit un peu tous de la même manière, hein. En ce moment, température monte, ça craint, ouais, ça craint. Ça craint. Ok, on se fait une terrasse? Allez, terrasse! Ouais, il n'y a plus d'eau, mais il y a du rosé. S'ils avaient dit aux gens, il y a une pénurie de rosé, là, hein, qu'est-ce qu'on fait? Vite, laisse-moi, je vais presser le raisin moi-même, faut faire quelque chose. Je pense qu'on a du mal à être vraiment sensibilisé à l'écologie parce que entre la cause et la conséquence, il y a trop de distance. C'est trop éloigné, quoi. Tu jettes une paille, ça finit dans une tortue, tu dis, mais comment? Pour qu'on soit plus touché par ça, il faut que le mec, il vienne chez toi avec une tortue, et là, il lui met la paille que t'as jetée devant toi. Et il te lâche pas du regard, hein. Ouais, c'est ta paille, ça. J'espère qu'il valait le coup, le Virgin Mojito, hein. J'ai l'impression que l'humain, de toute manière, ne voit pas le danger tant qu'il n'est pas en face de lui. C'est pour ça que je pense que le jour où on sera vraiment écolo, c'est le jour où tu ouvres ta fenêtre et dis « Oh, chérie, tsunami à Clermont-Ferrand !» Putain, ils avaient raison, les écolos, vite, il faut vendre la bagnole, achète des vélos, tes deux prothèses, putain, les poubelles jaunes, ça arrive, là. Pour l'écologie, il y a encore un espoir, c'est Emmanuel Macron. Ouais, c'est le même espoir que PPDA pour le féminisme, c'est vrai. À toute façon, si Macron te dit « l'écologie, c'est ma priorité », les deux pandas qui restent, ils ont intérêt à bien se planquer, je te le dis. Hein. C'est sûr, attends, ils vont le voir arriver sur un bulldozer. Coucou les pandas! Quand Macron t'explique l'écologie, c'est un mec qui anime une réunion d'alcooliques anonymes complètement bourrache. On va commencer la réunion, le meeting. Avant de démarrer, bon voilà, il y a des nouveaux. Bonjour. Surprise pour les nouveaux, j'ai ramené une petite bouteille, on avait des arts. J'entends souvent cette phrase, il faut préserver la planète pour la génération future. Ça dépend de la génération. Je sais pas, t'as vu TikTok? Si le futur c'est ça, peut-être faut pas qu'on se casse la tête, quoi. Hein? Peut-être, hein. Tu les vois, hein? Non, Poutine, appuie sur le bouton qu'on en finisse. S'il te plaît, passe. Ouais. Ça y est, on a fini. Merci d'être passé. C'était un joli pot de départ. Ouais, merci. Sur TikTok, ils m'ont fait sauter des vidéos. Ils m'ont fait sauter 3 vidéos sur TikTok. Je suis allé trop loin. J'étais habillé. Et avant, les parents, ils rentraient dans la chambre des gosses. Oh, baisse la musique! Ah, maintenant, c'est, oh, baisse la musique, éteins la caméra et remets un slip! Oh, oh, c'est long, hein! Comment tu veux, après toi, expliquer à ta fille qu'il faut aller à l'école quand elle voit des influenceuses gagner 8 fois plus que le médecin qu'elles vont voir tout en lui disant, docteur, j'ai mal à la colonne verticale? Ah, ça, accident de travail, hein, je te recambrerai. Ah ouais, effectivement, c'est trop cambré, ouais. Ouais, quand les seins sont déjà à Dubaï, alors que les fesses sont encore à la douane, c'est trop cambré. Merci, rappelle-moi. Merci Polo, merci le grand point virgule.